Et bien bonjour à tous les amis, c'est Jix. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le top 6 des objets les plus fun du futur achetables sur Amazon dès maintenant. Comme à chaque fois, je mets tous les liens dans la description. Vous avez toutes les informations sur les partenariats et les placements de produits qui s'y trouvent. En l'occurrence dans cette vidéo il n'y en a aucun, c'est le deuxième épisode de cette série. Alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous aimez cette vidéo, si vous trouvez qu'elle est bien. Et si c'est pas déjà fait, très important, abonnez-vous. Sincèrement, si vous n'êtes pas déjà abonné, et bah faites-le, parce que je compte vraiment faire des vidéos comme ça. Et puis ça peut vous apprendre des choses sur les objets Amazon, etc. Si vous avez des produits, si vous savez pas s'il y en a qui sont sortis ou pas. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. On va pas plus attendre, je vous laisse avec le premier objet les amis. Donc le premier objet, il s'agit d'un avion en papier contrôlable via une application qui va avec le produit. Après avoir plié l'avion correctement avec tout simplement la feuille qui est donnée dans le produit, en suivant une notice bien spécifique, vous aurez juste à mettre le moteur devant l'avion, à le charger 20 minutes, et vous pourrez ensuite le contrôler via vos téléphones. Vous pourrez augmenter ou diminuer sa vitesse et choisir la direction de l'avion. C'est un peu un rêve de gosse bien sûr. Le seul inconvénient majeur selon moi, c'est que la durée de vol n'est pas très grande, on va se dire, c'est pas un drone hein. Mais du coup la durée de vol est limitée. Et comme c'est en papier, il y a de fortes chances que l'avion soit abîmé rapidement à cause de l'eau ou etc. Enfin, c'est vraiment faut faire vraiment attention quand on l'utilise. Sincèrement pour le prix qui coûte, ce serait un peu con de le faire tomber dans l'eau. Après bien sûr c'est vraiment pour les gens qui veulent vraiment faire les cons bien sûr. Mais du coup j'avais jamais vu ça. Et puis c'est un peu un rêve de gosse qu'on va dire. Le deuxième objet est tiré tout simplement du futur, sincèrement. C'est un produit d'Amazon. On va dire que ça fait longtemps qu'il est créé. Mais quand on y réfléchit, c'est vraiment bien pensé. Et c'est vraiment une stratégie d'Amazon pour avoir plus de clients, plus de commandes et plus de chiffres d'affaires. Alors tout simplement, c'est quoi? On va dire que ce sont des boutons bien spécifiques, par exemple de plusieurs marques. Par exemple Ice-T, Signal, Ariel. Enfin, vous voyez, toutes les marques du quotidien qui nous servent, qu'on doit acheter régulièrement quand on va en course. Et en fait, ce bouton, il passe directement une commande sur Amazon une fois que vous appuyez sur le bouton de la marque. Par exemple, j'ai besoin d'antifrice, j'appuie sur celui de Signal. Et paf, dans un jour ouvré, j'ai tout simplement ceux qui arrivent, voire un petit peu plus tôt quand même, je crois. Je crois que la livraison se fait un petit peu plus tôt. En moins d'un jour, il me semble. C'est exclusivement pour les membres premium. Mais c'est tout simplement dingue en fait, parce que vous aurez juste appuyé sur un bouton. Après, effectivement, vous aurez une notification sur vos téléphones. Et vous pourrez annuler si vous voulez la commande. Parce que sinon, après, c'est vraiment trop facile quoi. Mais c'est fou comment c'est très rapide. Genre, pour passer une commande, vous appuyez juste sur un bouton. C'est ouf. Sincèrement, pour les gens qui font un petit peu de e-commerce, vous dire qu'en un bouton, vous avez une commande, c'est tellement un peu futuriste. Ça s'intègre un peu partout. C'est tout petit, ça va encore. Mais sinon, en fait, c'est vraiment stylé. Et puis, c'est une création d'Amazon, simplement. On va dire que c'est un petit plus que je donne dans la vidéo. Parce que, effectivement, ça pourra peut-être pas vous servir tous les jours à vous. Mais voilà, si vous connaissez pas, au moins, je vous ai fait découvrir quelque chose, le Dash Button de Amazon. On passe donc au troisième objet les amis. Donc c'est un objet connecté, une serrure connectée plus précisément. Alors grâce à cette serrure vous réglez le problème de chercher les clés pour en rentrer. Et sincèrement je trouve ça super cool. Vous avez juste à avoir vos téléphones et une application. Et bien sûr un petit peu de 4G je pense. Et le Bluetooth. Et vous pourrez tout simplement déverrouiller votre porte grâce à l'application. Ce qui est cool avec ça, c'est que vous avez des notifications sur vos téléphones de toutes les personnes qui ont essayé de rentrer. Vous aurez des photos des gens qui ont essayé d'entrer aussi. Et ça c'est cool par exemple s'il y a un voleur ou je sais pas quoi. Mais je pense sincèrement que ça empêchera pas les vols malheureusement. Parce que quelqu'un qui est vraiment déterminé rentrera quand même. Et puis je trouve que aussi cet objet est un peu trop connecté à mon sens en fait. Car je pense qu'une fois que c'est beaucoup trop connecté, il y a beaucoup de failles et tout etc. Enfin il y a vraiment c'est un gros bordel derrière. Ça coûte cher pour ce que c'est, faut vraiment trouver l'utilité. Faut vraiment en avoir besoin et avoir la foi de l'acheter. C'est un objet qui a buzzé il y a quelques années. La vidéo a fait des millions de vues, surtout grâce à son spot publicitaire que vous voyez actuellement à l'écran. Et bref, voilà la serrure intelligente. Et donc le quatrième objet, alors c'est quoi? C'est un mini drone. Il n'y a pas vraiment de truc spécifique dessus. Il est juste vraiment petit, sincèrement il est petit. Et ça peut être fun pour le faire passer dans un endroit genre un peu chelou et tout. Genre chez les voisins, par des fenêtres ou je ne sais quoi. Il y a vraiment moyen de se taper des barres. Il est tout petit, donc pratique à transporter. Et puis voilà, un petit drone, vraiment un tout petit drone. Je crois que c'est le plus petit d'Amazon, mais je suis pas sûr. Je préfère pas de vous dire de conneries. Mais il est vraiment petit, il coûte que 17€. Je trouve ça vraiment très très peu. Bon bien entendu, il n'y a pas de caméra. Mais voilà, un petit drone assez sympa, tout petit. Et donc le cinquième objet qui je pense va vraiment révolutionner la méthode de travail des gens qui travaillent avec leur téléphone, avec leur tablette, qui utilisent leur téléphone au quotidien et qui même travaillent dessus. Parce que des fois je vois des gens qui sont un peu genre en mode des business sur Snap et tout. Et pour répondre aux gens ça doit être tellement chiant. Et ce petit truc sincèrement il peut vous faire gagner énormément de temps. C'est un clavier à projection. On va dire que c'est un clavier à laser ou un clavier holographique, appelez ça comme vous voulez. Et du coup en fait c'est Bluetooth, vous connectez en Bluetooth et vous avez un clavier tout simplement sans en avoir un. C'est un peu chelou, c'est très transportable, c'est ça qui est bien. Je pense aussi, c'est que vous pouvez mettre dans votre sac, dans votre poche, et ça vous cassera pas les couilles. Vous aurez juste à le connecter en Bluetooth et vous pourrez écrire sur votre appareil. Je pense que c'est un gros gain de temps. Et puis sincèrement, je pense que ça peut vraiment aider dans certaines situations. Par exemple, vous regardez vos mails et vous êtes pas chez vous, et vous pourrez répondre de manière très rapide et professionnelle. Je rappelle que tous les liens sont dans la description. Néanmoins, on va passer au sixième objet.
Et bien le sixième et dernier objet, c'est un objet un peu spécial. Je pense que c'est le plus futuriste de tous les objets qu'on a vu. Sincèrement, c'est pour les gens qui aiment bien la musique et qui en auront l'utilité. Les gens qui aiment bien écouter la musique au quotidien. Parce qu'en fait, même moi, j'ai pas trop compris le concept de l'objet. Enfin, pas le concept, mais la manière dont l'objet fonctionne en fait. Parce qu'en fait, c'est un bracelet qui va vous faire ressentir les basses environnantes. Donc par exemple, vous êtes à un concert et vous allez ressentir les basses bien plus que la moyenne. Parce que j'ai vu plein de gens sur Conquis. Renseignez-vous, le lien est dans la description. Si vraiment vous êtes chaud pour l'avoir, c'est dans la description. Et j'ai pas trop compris comment l'objet fonctionnait, du genre qu'est-ce qui fait quoi, genre sur l'objet. En tout cas voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Tous les liens sont dans la description, donc profitez-en, checkez la description et faites-vous plaisir. En attendant, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous.